Bonjour, donc le but du TP d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le protocole de réalisation des coupes transversales en biologie végétale ainsi que le protocole de coloration de ces coupes. Donc ce TP, il va s'organiser autour de trois parties. Dans un premier temps, on verra donc le matériel dont on a besoin pour réaliser ces coupes. Dans un deuxième temps, on verra donc plus précisément le protocole de réalisation de ces coupes. Et dans un troisième temps, on verra comment on réalise le montage de ces couches pour pouvoir les observer ensuite au microscope. Donc l'intérêt de réaliser ces coupes transversales, c'est de pouvoir étudier la structure histologique d'une plante, c'est-à-dire la structure tissulaire, et notamment de regarder comment cette structure tissulaire va varier en fonction des types de plantes qu'on va étudier, mais également en fonction de leur type d'habitat. Alors pour commencer, il faut une lame de rasoir, donc une lame de rasoir qui sera bien affûtée pour pouvoir couper correctement les échantillons, une pince, indispensable pour pouvoir manipuler correctement les coupes, une moelle de sureau. Donc vous en avez soit des moelles de sureau naturelles ou des moelles de sureau synthétiques. Une lamelle en verre et une lame en verre. Donc ça nous servira pour faire le montage des coupes transversales pour pouvoir les observer au microscope. Un tamis et puis un récipient donc, pour mettre ce tamis qui nous servira donc à collecter les coupes transversales qu'on réalisera. Et puis donc les différentes solutions dont on aura besoin pour réaliser la coloration. Donc d'abord de l'eau de Javel, de l'eau acétique. Et puis donc le colorant qu'on va utiliser aujourd'hui, le Carmino vert de Miron. Pour terminer, voici les échantillons dont on se servira aujourd'hui. Donc déjà un échantillon rigide et puis deux échantillons souples. On verra que en fonction du type d'échantillon qu'on a, le type de protocole va varier un petit peu pour réaliser des coupes transversales. Dans ce TP, si on ne réalise pas les coupes transversales de bonne qualité, on ne pourra pas faire de bonnes observations par la suite. Donc je vais d'abord commencer par m'asseoir pour pouvoir bien me positionner pour réaliser les coupes transversales de meilleure qualité possible. Alors, donc je commence par l'échantillon rigide. Donc là, je vois que mon échantillon rigide, il a une extrémité qui n'est pas orthogonale, qui n'est pas plane et régulière. Donc la première étape avant de commencer à réaliser les coupes transversales, ça va être de aplanir l'extrémité de mon échantillon, de la rendre régulière. Donc pour cela, je vais prendre une lame en verre sur laquelle je vais venir couper et ajuster l'extrémité de mon échantillon de façon à avoir vraiment une surface plane. Donc vous voyez, maintenant j'ai une extrémité qui est bien régulière et qui est propre pour démarrer les coupes transversales. Alors première étape, je vais commencer par remplir mon tamis et mon récipient d'eau pour ensuite mettre mes coupes réalisées à tremper et éviter qu'elles se déshydratent au cours du TP. Ensuite, donc je viens prendre mon échantillon entre mon pouce et mon index et la lame de rasoir bien affûtée dans mon autre main. Et je viens amener la lame de rasoir à l'extrémité de l'échantillon et je la ramène vers moi de façon à le couper tout doucement. Ensuite, donc, je prends la coupe que j'ai réalisée avec une pince et puis je la viens la mettre à tremper dans mon tamis et je continue à réaliser d'autres coupes pour en avoir au final une dizaine de coupes de bonne qualité. Parfois, l'échantillon est trop souple pour pouvoir le couper facilement. Donc, c'est le cas notamment ici de cet échantillon cylindrique et de cet échantillon plat. Alors pour cela, on va utiliser comme support la moelle de sureau. Donc on avait vu tout à l'heure la moelle de sureau synthétique ou la moelle de sureau naturelle. Pour commencer, on va devoir couper cette moelle de sureau dans le sens de la longueur de façon à en faire deux parties. Donc voilà, j'ai deux parties de ma moelle de sureau dans lequel je vais venir coincer ensuite mon échantillon. Alors soit j'ai un échantillon plat que je peux plier et venir du coup coincer en sandwich entre mes deux morceaux de moelle de sureau. Soit dans le cas d'un échantillon cylindrique, il va falloir réaliser un petit sillon dans la moelle pour pouvoir venir le coincer. L'intérêt étant de ne pas écraser l'échantillon au moment de la coupe. Et une fois que c'est fait, je prends mon échantillon et je viens le coincer dans le petit sillon que j'ai réalisé.
Et je le place comme ça en sandwich entre mes deux morceaux de moelle de sureau. Une fois que c'est fait, je vois que mon échantillon dépasse un petit peu de ma moelle de sureau. Il faut donc que j'ajuste mon extrémité, comme tout à l'heure, pour avoir une surface bien plane. Donc de nouveau, je viens couper sur une lame en verre et j'ai bien ajusté mon échantillon par rapport à la surface de ma moelle de sureau. Ensuite, donc je prends mon tamis avec de l'eau. Pour pouvoir collecter mes coupes et je viens placer ma lame à l'extrémité de mon support pour pouvoir réaliser la coupe et donc je coupe la moelle de sureau avec mon échantillon. Donc je viens couper comme tout à l'heure doucement mon échantillon et je le collecte dans mon tamis. Pour mon échantillon plat, je procède de la même façon. Je viens couper l'échantillon en prenant soin de réaliser les coupes les plus fines possibles. Vraiment. Avant de passer à la suite et donc de réaliser la coloration des coupes qu'on vient de faire, il faut d'abord sélectionner les meilleures coupes, c'est-à-dire les coupes qui vont nous paraître les plus fines et celles qui du coup seront de meilleure qualité pour notre observation. Donc une fois qu'on a sélectionné les meilleures coupes, on peut commencer le protocole de coloration en attaquant avec le premier bain de Javel. Donc pour cela, je vais d'abord aller à l'évier. Donc je vide l'eau. Je remets mon tamis dans mon récipient. Et puis je viens verser dessus la Javel. On verse doucement sur les échantillons. Et on laisse comme ça reposer les échantillons pendant 20 à 30 minutes en fonction de la vitesse de décoloration. Et donc l'intérêt de ce bain de Javel, ça va être de vider les contenus cellulaires. D'accord ? Donc on va garder uniquement les parois des cellules, et c'est sur ces parois des cellules que vont venir se fixer les colorants. Donc l'étape suivante, c'est le bain d'eau acétique. Mais avant de réaliser ce bain d'eau acétique, on va commencer par d'abord rincer les coupes actuelles à l'eau. Donc pour ça, on va rincer très délicatement les coupes sous l'eau. Une fois que cette étape de rinçage est réalisée, on égoutte un petit peu notre tamis sur un sopalin et puis on vient ajouter l'eau acétique sur les coupes comme on a fait tout à l'heure avec la Javel. Alors cette étape de bain d'eau acétique, elle dure entre 5 à 7 minutes, pas plus. Et l'intérêt, c'est qu'elle va permettre de libérer des liaisons OH sur les parois qui vont ensuite pouvoir venir fixer le colorant qu'on mettra dans un deuxième temps. Alors si jamais vous faites l'erreur de rincer entre l'étape de mordançage et l'étape de coloration, c'est pas grave. Ce qu'il suffit de faire, c'est de recommencer le bain d'eau acétique pour de nouveau libérer les liaisons OH sur lesquelles pourront venir se fixer le carmino vert de Mirande. Alors, pour la troisième et dernière étape de notre coloration, on va utiliser cette troisième solution donc, qui correspond au colorant, donc, qu'on appelle le carmino vert de Mirande, et qui est en fait un mélange de deux colorants, le carmin aluné et le vert diode. Je commence par vider mon eau acétique à l'évier, mais surtout, je ne rince pas. Pourquoi ? Parce que si je rince, les liaisons OH que j'ai libérées par ce bain d'eau acétique vont être comblés par les atomes d'hydrogène de l'eau. Donc surtout, je ne re-rince pas et je viens apporter mon colorant, donc quelques gouttes, directement dans mon tamis. Donc je laisse ce bain pendant encore une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes, et on aura quasiment terminé notre coloration. L'intérêt du carmin aluné, c'est qu'il va venir colorer les parois qui sont pectocellulosiques en rose. Et le vert diode va lui colorer les parois qui sont lignifiées en vert. On aura également une troisième coloration aspécifique qui va colorer donc les composés lipidiques, donc on va retrouver notamment dans la subérine ou dans la cutine de la cuticule, en brun jaune. Et donc on pourra utiliser ensuite ces couleurs comme des indicateurs
qui pourront nous aider à identifier les tissus par la suite. Alors, les 10 minutes de coloration sont maintenant écoulées, donc je vais aller rincer mes coupes à l'évier, donc toujours sous un filet d'eau assez fin pour pas que les coupes sautent du tamis. Donc je rince bien mon récipient, je rince bien mes coupes sous l'eau et je les stocke de nouveau, je les conserve dans l'eau de façon à ce qu'elles ne se déshydratent pas avant le montage entre lame et lamelle. Et maintenant terminé, je vais passer donc à l'étape de montage de mes coupes entre lame et lamelle. Donc pour cela, je pose ma lame sur ma paillasse, je dépose sur ma lame une goutte d'eau, voilà, dans laquelle je vais venir plonger mes coupes transversales colorées. Alors je monte à chaque fois deux ou trois coupes de façon à pouvoir ensuite les sélectionner au microscope et observer la coupe qui sera de la meilleure qualité possible. Donc une fois que j'ai déposé mes coupes sur ma lame, je viens très délicatement déposer ma lamelle sur mes coupes transversales de façon à ne pas avoir de bulles d'air. Une fois que la lamelle est déposée sur mes coupes, pas besoin d'appuyer, parce que je risque d'endommager mes coupes. Et si elles sont suffisamment fines, normalement, on n'a pas besoin d'appuyer pour que la lamelle adhère bien. Alors maintenant que notre lame est prête, je la dispose sur le microscope pour observer mes coupes transversales et pouvoir ensuite les interpréter. Donc là, sur ma coupe, je distingue bien mes trois couleurs liées à ma coloration. Une coloration verte, donc liée à la présence de lignine dans les parois. Une coloration rose, liée à des parois pectocellulosiques. Et puis une coloration brun-marron, liée à la présence de composés lipidiques dans les parois. Vous avez maintenant compris l'intérêt de réaliser des coupes de bonne qualité, donc bien fines, pour réaliser ensuite de bonnes observations. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.